Ça va être en français parce que j'ai pas envie de parler anglais. Et je prévois une vidéo en plus spéciale pour mes abonnés qui parlent anglais. Donc voilà, aujourd'hui c'est en français. Donc nous sommes dimanche, il est super tôt parce qu'il est 6h30, que mon chat m'a réveillée très tôt. Donc voilà, comment dire. Et je vous montre ça parce que mardi, c'est fini. Je n'aurai plus cette couleur. J'avoue que quand je la vois comme ça, elle va un petit peu me manquer. Mais ça donne tellement pas ça. En vrai, enfin, j'ai du violet par endroit. C'est pas bon du tout. Donc, et puis il faut que je coupe mes cheveux. Enfin, c'est la galère. Donc, voilà. C'est la dernière vidéo avec cette couleur. Et donc je vais chez le coiffeur. Je vais essayer de faire une vlog ce jour-là parce que c'est un coiffeur 100% bio, 100% cruelty free. Et quasiment la majeure partie de leurs produits sont vegan. Donc je pense, et je vais demander si c'est possible de filmer un petit peu pendant qu'ils font les process et tout ça. Je vais bien voir. Et si moi, bah, je n'ai pas la timidité de demander. Donc voilà. Donc je reprends. Salut tout le monde, c'est Aléana. Bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Clairement, donc là, je viens de faire chauffer mon café. Donc je vais le boire. Je vais regarder une vidéo YouTube parce que j'ai vu qu'Evelina Forcelle avait sorti sa dernière vidéo. Donc comment dire que je suis accro à cette youtubeuse. Donc il faut que je regarde. C'est la fête des mères aujourd'hui, donc je vais aller voir ma maman. Ça, bah, comme tous les dimanches en fait. Mais plus en particulier, bah, là, vu que c'est la fête des mères. Donc j'ai envie de passer du temps avec ma maman. Et je vais récupérer des cartons. Voilà, parce que je dois déménager. Il me reste 20 jours, quelque chose comme ça. Donc, il faut que je commence le déménagement parce que j'ai 36 000 trucs, mais j'ai 36 000 trucs. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Maquillage est fait, j'ai pris ma douche et tout ça, je suis habillée, j'ai un short, vous inquiétez pas. C'est la deuxième fois que je mets ce rouge à lèvres liquide, c'est celui de chez Melt, il est juste trop beau, c'est le Ladylike. Et je le trouve parfait pour lorsque je fais ce maquillage naturel, sans fossile ni rien. Donc voilà. Et puis ben, il est midi, alors je vais voir ce que je peux manger, sachant que j'ai fait les courses, donc il y a plein de bonnes choses. Je vais vous montrer. Donc là j'ai du tofu, j'ai des haricots rouges, des fraises, des tomates. Là ce sont les pâtes, des mousses au chocolat, des gâteaux, yaourt coco, yaourt de fraises, pomme banane. Yaourt. Et là, c'est mon tiroir. Avocat, concombre, radis, carottes, salade. Bah, je pense. Je vais mettre là. Je pense que ça va être salade. Parce que j'adore la salade. Il y a plein de feuilles qui tombent. Je vais prendre une carotte. Kiwi, s'il y en a un qui est mûr. Un kiwi et concombre. C'est ce que je vais manger ce midi. Et puis je vais me faire un thé, je pense. Après. Voilà. Et voilà, c'est ce que je vais manger. Donc bah, mon petit morceau de concombre, ma carotte, ma salade. Mon petit kiwi du jour. J'en mange un tous les jours.
C'est plein de vitamines et tout ça, donc parfait. Et puis bon, bah le truc s'est détaché, mais c'est mon morning boost que je prends, oui, à midi, parce que... Bah, parce que j'ai besoin de mon café le matin, donc voilà, le matin c'est café. J'ai l'impression qu'avec la lumière, ça fait comme si j'avais un œil qui touchait. Et voilà, donc je prends mon morning boost le matin. Et j'ai ça à tester, je l'ai eu en échantillon. Donc c'est un grain élixir. Et je l'ai reçu en grand. Donc c'est pour mettre dans les smoothies, tout ça. Donc vu que j'ai acheté des bananes et des fraises et des myrtilles et de la mangue et de la crème de coco, donc je pense que je vais avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire des smoothies. Donc voilà, c'est parti pour manger. Et puis ensuite, bah, mes affaires sont prêtes. Je vais commencer à laisser quelques vêtements chez mes parents. Et voilà, c'est parti pour la fête des mères. Et pas 2021 comme c'est écrit là. Ça arrange parce que comme là il fallait un justificatif de domicile. Hello. Hello. Tu veux sortir? Oh oui! Ah, vas-y, miaule! Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc là je pars au coiffeur, je vais voir si je vais pouvoir filmer, demander quelques petits trucs donc à la coiffeuse vu que c'est un salon complètement bio, complètement cruelty free et une majeure partie des produits sont vegan, donc tous ceux que moi je vais utiliser vont être vegan, enfin que la coiffeuse va utiliser sont vegan. Donc voilà, je vous emmène avec moi et puis après vous allez me suivre tout au long de cette journée, vous allez découvrir ma nouvelle couleur et coupe de cheveux. Donc c'est parti. Bah, je suis sortie du coiffeur, comme vous pouvez le voir. Ça y est, j'ai les cheveux noirs. Ta gueule, la radio. Et voilà, donc on a coupé les cheveux. Bon, j'ai encore des cheveux à couper. J'ai pas fait de brushing ni rien, donc c'est pour ça que ça ressemble à que dalle. Et voilà. Et puis bah, là, bah, j'attends mon pote qui va arriver. Bon avis des bêtes. Et non, c'est pas lui. Et puis bah, on va se poser chez moi et on va ensuite aller voir John Wick 3 au cinéma. Et
Il y a mon meilleur ami qui nous rejoint. Je suis pressée aussi, ça va être cool. Il y a les gens qui me regardent bizarre parce que je suis en train de parler à une caméra. Enfin bon. Voilà. Donc je retrouve des cheveux à peu près potables. Donc faut juste que je les brosse un petit peu. Mais voilà, c'est cool. Je suis contente de ma couleur. De blague. L'ami des bêtes. Dans le vlog. Dans le vlog. Direction le cinéma. 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 Et on retrouve qui? Vava. 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 Vava.